d'Abidjan, je vous dis bonjour. Mange bien, mange trop, faire attention au kilo. Vous savez, je trouve qu'il y a un parallèle incroyable entre l'Ivoirien et le Zaïrois. Ouais, je dis bien le Zaïrois. Okay. Et là, je parle, je sais pas moi, j'arrive ici et ce que je retrouve, ce que je ressentais lorsque j'étais enfant en RDC. Je trouve, je sais pas moi, ils ont la joie de vivre, ils sont positifs, ils y croient. Ils sont contents de vous voir, ils voient le bon côté de ce que vous emmenez. Ils adorent les Aérois, ils adorent les Congolais. Ils voient le bon côté de ce que vous emmenez et pas le mauvais côté. Ça ne fait pas que les Aérois en fait. Tous les, indépendamment des richesses écoutez, et autres, c'est naturel et c'est un choix en fait. Et c'est quelque chose qui me dit, bon, à Côte d'Ivoire, les choses n'ont pas toujours été top. Ils ont eu des problèmes. Vous voyez, en 20 ans, dans le noir, les choses allaient mal, il y a eu la guerre, il y a eu des problèmes et tout et tout. Mais vous savez quoi, ils n'ont pas perdu l'essence de qui ils sont. Ils ont traversé cette période noire. C'est là qu'on a tous connu les mafamis et tous les machins et tout. Et tout l'humour ivoirien, le coupé et décalé. Donc en fait, ils ont transformé la période difficile. En fait, ils en ont ri un petit peu. Ils ont un petit peu ri sur eux-mêmes, vous voyez. Mais derrière ça, bah, ils ont quand même bossé pour se remettre debout et repartir. Et aujourd'hui, c'est reparti. Et ça, je pense que c'est quelque chose que nous devrions tout de même tirer d'eux, ou en tout cas, tirer quelques leçons. Parce que nous avons ce positivisme, cet optimisme-là. C'est la force essentielle. C'est une des grosses forces que le Congolais ou que les Aïrois ont perdu. Peut-être que chez nous, la période difficile a été trop longue. Et on a arrêté d'y croire. Mais on ne devrait pas. Parce que lorsque rien ne va, et lorsque les ressources ne sont plus là, il n'y a plus de cobalt, il n'y a plus de lithium, rien pour, c'est pas moi. Tout ce que nous avons comme richesse, la vraie richesse qu'on devrait puiser, c'est qui nous sommes, en tant que personne, Bomoto. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment, vraiment pas perdre. Et aujourd'hui, encore plus que jamais, pendant que les choses sont dures, c'est maintenant qu'on devrait puiser en nous-mêmes. Peace. Le souvenir d'enfant, c'est que bon, enfant, j'adorais un petit peu.